Bonjour et merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis Vladimir Zbinovski. Je suis d'origine de la Tchécoslovaquie dans l'époque, mais de côté Slovaquie. C'était dans les années 93 que j'ai quitté la Slovaquie et je me suis installé en France. Donc en fait, j'ai débuté à France. Et ça fait presque 29 ans que je essayer de travailler ou être considéré sculpteur qui utilise médium le verre. Combien d'œuvres êtes-vous venu nous présenter? Deux sur le thème, et après il y a toujours des pièces qu'on ramène un petit peu qui suivent déjà l'évolution qui était déjà développée avant. Quand vous avez vu que le thème de cette année était la migration, est-ce qu'une idée vous est venue directement? Êtes-vous sensible à ce thème? Déjà, je suis un petit peu dans cette démarche longtemps, parce que quand on dit migration, on comprend tout de suite le mouvement. Et le concept de mon travail était toujours sur quelque chose qui fait que ça bouge. Et qu'est-ce qui bouge? C'est en fait le monde dans lequel on vit. Donc j'essaie toujours de prendre un peu plus large ce concept de la pensée. Qu'est-ce qui fait que la vie existe et que tout bouge, car il est stagne. En un mot, parlez-moi du thème de la migration pour vous et comment vous l'avez représenté dans vos œuvres. Donc comme j'ai dit, migration, je comprends tout de suite le mouvement, comment exprimer mouvement par rapport avec le vocabulaire artistique et sculptural que je me suis déjà inventé il y a presque 30 ans. Donc ça veut dire que cet mariage entre la pierre et le verre. Et cette année, les deux pièces qui sont présentées, c'est montrer que c'est une métaphore de dire que même les pierres bougent. Pourtant, pour l'homme, pour penser humain, la pierre a présenté depuis l'histoire quelque chose de très pérenne, quelque chose qui résiste du temps. Mais pourtant, même les pierres bougent et ils se désintègrent, simplement dans l'autre timing que le temps. Comment avez-vous représenté le thème de la migration dans vos œuvres? Ben justement, montrer que la pierre il peut se déplacer. En fait, pour être un peu plus large de la pensée, c'est travailler sur l'énergie, sur la matière. Donc, on sait que la pierre, toute la matière qui nous entoure, vient quand même de l'univers. Et j'ai travaillé sur la notion d'expansion de matière, expansion de l'univers. Donc il s'agit de montrer à travers ces deux matériaux que même la pierre qui se désintègre, en fait, elle passe simplement dans l'autre état. Elle crée en fait une spatialité. Justement, c'est le verre qui m'aide à exprimer métaphoriquement cette spatialité, en fait, c'est l'idée de vide. Qui n'est pas vide, simplement il y a une dilatation de l'espace-temps. D'accord. Donc, du coup, je reprends un peu comme le thème de la migration dont on parlait tout à l'heure. Du coup, c'est un sujet. Le thème de la migration est un sujet très actuel. Est-ce que vous vous inspirez de l'actualité pour créer vos œuvres? Voilà, rien, c'est le même problème, le mouvement, tout ce qui bouge. Ça veut dire que nous, on est une partie de ces concepts de dilatation de l'espace-temps. Simplement. Chaque fois, on le comprend peut-être différemment en évolution des sociétés. Mais peut-être c'est une logique de
que rien stagne et tout bouge. Donc si c'est négatif ou positif, en tout cas, il s'agit de quelque chose qui est constamment en mutation, de quelque chose qu'on appelle ça évolution. Pourquoi choisir de travailler sur des œuvres en verre? Quelle symbolique a le verre pour vous? C'est une métaphore de métamorphose. Ça veut dire que le verre, c'est presque, comme on dit dans le livre, un coup de main pour l'homme, pour qu'il avance dans sa connaissance, dans sa curiosité vers quelque chose qu'il ne sait pas encore. Et du coup, pour suivre la question. Depuis combien d'années maintenant travaillez-vous sur le verre? Ça fait plus que 30 ans, si je calcule aussi le temps des études. Parce que j'ai fait l'école de beaux-arts à 6 ans, en Slovaquie, Bratislava, qui est fini avec le diplôme. Et après, je suis parti tout de suite à France, donc ça fait quoi? Ça fait 29, 6 ans. Ça nous fait quand même certains décennies déjà. De quoi vous êtes-vous inspiré? Est-il possible de choisir une de vos œuvres et de nous expliquer quel a été le processus de création et que signifie-t-elle? On a toujours certains concepts qu'on essaie toujours un peu améliorer ou développer, et à certains moments il faut un peu oser, parce que il y a des périodes chez les artistes qu'on peut rentrer dans créativité en série, où on peut effectivement développer plus longtemps une sorte de thématique à travers les formes. Mais à certains moments, ça dépend. Vous savez, vous êtes constamment à une sorte d'évolution, et créativité, c'est pas tellement au moment que vous avez une idée et vous dites que c'est bon. Non, c'est justement en touchant la pierre, le verre, et en plus c'est pas encore complètement fini. Une fois que c'est réalisé, d'un seul coup vous arrivez à une réflexion que finalement je pouvais faire ça autrement. Donc c'est toujours la question d'empirisme. Ça veut dire qu'on est constamment en confrontation avec cette matière, le verre, qui a quasi d'autres dimensions. Et chaque fois il se manifeste différemment. C'est aussi ça qui est particulier, qu'on peut avoir tellement de différentes expressions de créativité avec cette matière, et chaque fois on s'est rendu compte qu'elle peut avoir complètement d'autres regards sur la réalité. Très bien. Du coup, je reprends un peu ce que vous avez dit. Vous mélangez donc le verre à d'autres matériaux? Pour l'instant, effectivement, je me focalise sur la pierre et le verre parce que c'est d'une certaine façon la signature de l'artiste. Et pour l'instant, je ne me sens pas encore que j'ai tout dit. Donc, autant que ça m'irrite et provoque pour aller encore plus loin, l'interrogation. Et du coup, pour finir, quelle importance sont les verriales pour vous? Ah ben, ça fait déjà 25 ans peut-être que je suis artiste de la galerie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça répète, mais pas du tout, parce que chaque fois c'est un challenge. Pourquoi? Parce que chaque fois on nous demande de créer des pièces sur le thème. Et même si on a l'impression que on a chacun son style, mais comme j'ai dit tout à l'heure, chaque fois il y a d'autres angles de regard et d'autres tentations d'être à d'autres réinterprétations des formes qu'on a l'impression qu'elles sont toujours là.